Hey, salut YouTube. On se retrouve pour la suite d'autres aventures sur Avatar. J'allais dire Far Cry. On l'a fait depuis longtemps Far Cry. Et du coup, Bon, bah, comment repérer mon j'ai réussi bruto à là? trouver mon cheval. Pourtant, tout à l'heure, il était à côté, hein. Parce qu'il voulait pas que je le monte. C'était le tien. Hop. Sinon, je suis arrivé à la mission. Ça va peut-être te TP, hein. C'est quoi? Ah bah, attends, c'est pas. Chambre aux échos. Un truc dans le coin. Un truc dans le coin. Il y a un truc dans le coin. Il est au-dessus, en dessous. Et tout en bas, vas-y, là, c'est mieux. J'ai envie de récupérer ce truc. Ouais. On va faire quoi là? Mais t'es où là? Ah si, ça y est, ok. Ah, vas-y, prends. Connecté. Ah putain, je suis passé devant 50 fois. Ah c'est tout? Ok. Ah on peut prendre le petit crâne du coup. C'est sérieux? Ça fait plaisir de te voir. Voilà. Oh putain, je suis heureux. Je suis heureux. Sur la présence de la RDA. Alors par contre, il n'y avait pas d'usine tout à l'heure et là on voit une usine. Si tout à l'heure on envoyait des usines. Aller voir leur camp de plus près. Face, ça va, je sais pas, j'ai pas regardé. Non, il n'y avait pas tout à l'heure, bon. Je te jure que n'y avait pas. Attends, il y a un arbre par là. Mais très doux. Voilà. Oh, c'est un point de compétence. Attends, j'arrive. Ne pars pas. Ouais. T'es où? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis descendu en bas. Ah, il a un peu faim. Je vais voir si je peux te pêcher un peu d'eau. Un peu de. Je sais pas s'il y a du poisson là, mon pote. Ah, si, il a mangé un peu de poisson. Le problème, c'est que vu qu'après, on est dans une zone un peu. Je suis dans un courant d'air! À l'aide! Un peu de phare à toi. Attends, parce que j'ai pas compris où on doit aller en fait. Ah putain, on doit aller derrière! Putain, en fait, j'avais pas du tout du bon sens. C'est beau, il y a une grosse planète. Enfin, trois même. Mais... Par contre, on a été jusqu'à là pour retourner de l'autre côté. C'est pas ouf quand même. Putain, on fait des allers-retours dans le jeu, c'est incroyable. Attends, je vais reprendre un poisson. Voilà, bien joué. J'y suis, hein. Je suis derrière, ouais. Je suis à 400. Ouais, la mission, elle est juste devant. Elle est grosse la planète, t'as vu? Mm. Ah, t'imagines si en vrai on avait eu des vues comme ça là? Ça c'est incroyable. Oh, j'y vais pas. C'est bon, on est arrivé. Attends, c'est un camp ennemi. Fuyons. Ah, je m'en suis rendu compte qu'après que c'était un camp ennemi. T'sais. Reste là mon petit poulet. Je vais essayer avec mon arc spécial. Et ils sont où ces cons? J'ai acheté un arc, je vais voir s'il peut m'être utile. Hein. Par contre t'as beaucoup de robots. Après dans le jeu c'est compliqué d'être discret vu que t'as des robots partout. Moi je viens améliorer mon déplacement. Normalement je suis moins vivant. Bah moi je aussi. Plus. Bah moi aussi. Mais bon quand tu t'attaques à un robot tu fais comment? T'es obligé de... Et tu le tues pas en un coup. Attends, je voulais tester la nouvelle arme. T'as acheté une arme? Non, mais le truc qu'ils nous ont donné là. Ah là, le lanceur là. Pourquoi je peux pas l'utiliser? C'est une bonne question. Dans ta gueule. Un type là-haut. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Genre, je l'ai pas tué, arrête. C'est un gros robot, on les voyait même pas.
Ah si, moi je le voyais putain. Mais tu vois, pourtant le mec, j'ai eu une tête hein, dans le truc, hein. Je comprends pas que je le tue pas, tu vois. Pour ça, être discret en fait, quand t'as des robots sans zone, c'est, je sais pas, je trouve que c'est compliqué, tu vois. Oh, j'ai pas vu. Elle sort. J'ai réussi à le tuer à travers. Inventaire plein. C'est tout ? On a tué tout le monde là ? Putain, y'a des vitres. Ouais, ils étaient pas terribles. Hop. Ah, tu vois, le problème c'est que t'as beaucoup de. Oh, il y a une arme. Déjà plein. Ah, je peux pas la prendre. J'ai déjà un plein. Oh, un arc puissant avec arc lourd. Ah ouais, arc lourd à tir puissant. 50 de dégâts. Ouais, mais le mien il fait 70. Okay, c'est pas... Ouais, mais qu'est-ce qu'on a en fait tous ces armes là, c'est ça le truc. Une fois qu'il s'est plein. Ah bah, je sais pas. On doit faire un truc particulier ici ou pas? De toute façon, c'était là la mission. Y'a un truc à pirater? Ah oui, mais il est. Ah, mais le robot il est devant là! Ah oui, non, c'est. Non, mais c'est vrai. Tu sais, le robot il est à moitié devant là. Attends. Ah, attends, peut-être pirater? Ouais. Hop. Je pirate! Mon inventaire il est plein. Putain, y'a un moment où je peux pas passer. Putain! Ah non. Ok. Ah, j'avais même pas vu que c'était chronométré quand tu piratais. Organisez-vous avec les équipes des serres et des défenses pour alterner les livraisons au pavillon. S'il y a trop de mouvements, ça va attirer l'attention. J'envoie des coordonnées. T'as entendu ça, Taylan? Ouais. Mais de quelle livraison elle parle? Et c'est quoi ce pavillon? Ok. Fouiller le cancer pour de la mer. Et j'en ai un autre de l'autre côté ou pas? Non. Ah si, on en a deux à faire. Vas-y, mais t'es à la limite de m'agresser, toi. T'es un malade. Ah, je pense que je vais y aller directement à l'arme à feu. Hein. Y'a un truc à récupérer entre nous. Elle tue des animaux pour se faire de l'argent. Je repère pas, gros. Pardon, pardon, pardon. Pas par là. Pourquoi tu veux pas que je t'en trouve à nouveau? Tu vois ou pas ce que je veux dire? J'aime bien son odeur. Son ouais. Voix, attends, je regarde sous un arbre. Je sais pas. Je sais pas si c'est là. Je me suis attaché. Je sais pas. Ah, ou alors ça peut être sous l'arbre, peut-être. Oh, t'as joué qu'il y a beaucoup de trucs à fouiller dans ce bâtiment là. Bon, rien du tout. Terminé dans l'informatique. Et ça, je récupère. Ça, je pirate. Je les ai détachés. Hop, 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 hop. Je crois que c'est là. Hop, 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 hop. Rapide pour toi, mon petit pote. Un truc à faire du coup maintenant? Non. Hop, ça, c'est plein. Ah, du coup, c'était ça, hein, c'est. Non, je sais pas. Je scanne. C'était ça à récupérer? Ici? Bizarre. Ouais, il doit y avoir autre chose. Ouais, moi je pensais plus à un arbre ou un truc comme ça, là. Okay. Mais tu sais que je peux rien fouiller, hein. La plupart des trucs, je suis plein de partout. Tempête, viens ici! Au lieu de voler dans l'arbre là-haut. Tempête. Tempête. Ah, il est tout là-haut, putain, bien. Ah, mais... Putain, mais lui, il est complètement con aussi, là. Ah, c'est un animal, ça. Tempête. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Il a dispawn. Ok. Tempête. Voilà, merci. Ah, je vois plus rien. Merde, attends. Je tombe de touche. On va à quel point? Celui de droite ou celui de gauche? Bon, bah celui de gauche. On est au plus près.
Aïe aïe, c'est vrai que la zone est polluée là. Oh, y'a du monde. Oh putain. Oh putain. Et je viens de faire un truc. Je suis passé légèrement sur le côté, gros, y'a du monde. Hein. Ouais, bah ils t'ont vu, ouais, je crois. Hein. Y'a que des robots mécaniques, mon pote. Je sais pas, y'a un sniper. Non, y'a pas de sniper dans ce jeu. Ouais, bah il est bizarre. C'est toi qui est bizarre. Non, mais regarde, t'as que des robots mécaniques, gros. Et tu vois, c'est impossible de jouer discret dans le jeu, c'est impossible. Vas-y, on va y aller en mode bois. C'est ce jeu qui décide. Attends, y a peut-être des petits cons. Ouais, y a un petit con. Par contre, t'es en train de me faire mal. Ouf, ouais. Putain, ils sont revenus sur moi, les bâtards, à deux. Par contre, dans des déplacements, deux fois, ça fait chelou. Ouais. Il se déplace sur le latéral là. Il est là le sniper. Il s'est pris une tête le sniper. Putain, bah ouais, mais j'apparais, il y a trois robots sur la gueule, t'es sérieux? J'en tue deux et le troisième une but, bah oui. Attends, tu sais que je suis en plein milieu de la zone là. Pourquoi j'ai deux robots sur la gueule à chaque fois que j'apparais? Oh, mais ouais, mais si. Attends, oh, ouais, on se calme, les gars. Wesh, ils font hyper mal par contre, c'est con. Vas-y, laissez-moi partir là, mon premier. Wesh, il me touche à travers, arrête! Il va me tuer. Oh, mais putain! J'essaie de libérer les animaux en même temps, je me dis que peut-être que. Qu'est-ce qui m'a tué? Ah, le camp il est par rapport à notre niveau là, parce que mec. Ouais, moi ils m'ont défoncé là. Ah bah la même. Là je me suis pas fait avoir, mais. Attends, vous êtes où là? Ils m'ont fait mal. Ah bah c'est bon, vous avez. Aïe! Y'a un sniper quelque part. Ah si, y'a un sniper. Sniper. Ouais. Non, ah, tu l'as niqué. Putain. Ah non, y'a un autre! Là-bas, ouais. Bien vu. Y'en a un là-bas. Merde, bâtard. Est-ce que j'ai rien de caisse? Viens, c'est ton bonhomme. Viens, dans ta gueule, fils de pute. Oh, c'était peut-être un peu exagéré, là, fils de pute. Je crois qu'on a tué tout le monde. C'est nouveau, les snipers. Ouais. Par contre, ils font mal, les snipers. Je te dis quand même. C'est mon Micha. Oh, j'ai un chargeur de précision, mon pote. Ça, j'en ai pas besoin. Oh putain, schéma de bâtard. Ah, c'est parce que tu pirates que tu disais le schéma. Ouais, mais attends, comment on fait pour passer quand la ligne du schéma elle est pétée? Ça, la ligne du schéma elle est pétée? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, allez, tu sais, il y a un blocage. Fais voir. Laisse faire les professionnels parce que je sens que tu paniques. Bah non, je panique pas, c'est juste que je me pose la question. Ok. Comment ça, il manque? Y'a rien qui manque là. Ah d'accord, ok, je viens de comprendre. Ok. Non, c'est bon. Voilà. Je sens d'ici l'odeur du pognon. Je l'ai fait tranquille. Okay, ça... En fait, ça se désactive dans toutes les secondes. Moi, je l'ai fait, ça s'est pas désactivé. Non, mais. On va te picoler, monsieur. Comment t'expliquer? T'as le circuit qui se coupe. Et il se désactive tous les une seconde, sinon il faut recommencer à zéro. On va pas les laisser faire, Taylan. Oh, ça récupère ça. C'est surtout ça. Non. Il y a des trucs qu'on peut récupérer, je pense, mais je sais pas comment faire. Hop, on fouille. Ah bah, inventaire plein. Ouais, super, ça c'est utile. Ça fait ça tout le temps. Eh, viens ici, mon petit poney. Hop, et le prochain il est là-bas. Oh putain, deux fois c'est chiant, gros. Hein. Je suis couillé, là. 56 mètres. Mais tu l'as sur ta boussole, gros. Oh bah, il peut pas être plus près, là.
Bah faut que c'est toi qui déjà de base tu te mets dans une position un peu vide. Je cherche pas d'excuses. Oh là, c'est vert. Hein? Parce que c'est périmé au moins, la zone elle est pourrie au moins. Oh là, oh non, c'est quoi le délire? C'est qui parle là? Quand tu fais l'intuition là, ça fait vert à l'écran. Ah mais ça c'est parce que si tu regardes et que c'est quand je suis à proximité ça. T'as du monde là? Bah oui. Oh je l'ai headshot. Pardon, je l'ai un peu crié fort ça. Mais je l'ai headshot. J'ai headshot le robot mon pote. Et prends-moi le moins là celui-là. Ta gueule, t'as rien vu. Oula, tu l'as pas headshot, je crois. Si, regarde, je viens de libérer la bête. Ouais, mais tout à l'heure ça a rien fait quand j'ai libéré. Oh, il a pris à voler, je crois. Non, il est toujours. Il y a un lanceur de grenade, gros. Oh oh! J'ai une sensibilité qui est proche de zéro. Ah, c'est bon. Oula. Genre je l'ai pas hit. Shot. J'ai niqué hein, dis-moi que j'ai niqué. Ah, c'est bon. Oh le lanceur de grenade qui va me niquer. Oh la vache. T'es sérieux comment j'ai volé comme une merde. Oh, oh j'ai touché son point faible. C'est bon, j'ai niqué. Il reste que les petits, petits morveux là. J'ai plus de soin là. Mais genre je le touche pas. Putain mon arc c'est de la merde ou c'est moi là? Non mais t'as la flèche qui redescend un petit peu plus j'ai l'impression. Ouais mais non mais c'est parce que je reste pas assez bandé. De quoi? Le truc du cul. Ah ça te fait rire quand on dit bandé hein. Espèce de pervers. Oh bah va. Juste me refaire un peu de... Oh putain j'ai plus une flèche par contre. Un short de guérilla. Ok. Oh la chance il a un short. Ah je peux récolter cette merde. Attends. Ah c'est bizarre. Attends. Arrêtez de brûler ces colonnes de pierre soldats. Ah ok. Ouais mais t'inquiète pas que les autres font exemplaire. C'est bon, je crois savoir où se trouve ce pavillon. Ouais. Bah, vous avez vu ce professionnel? Comment je tire bien sur la petite boule? D'accord. Chacun son délire. Je suis ouvert à tout. Aïe aïe. Hop, on prend. T'as piraté ça? Ouais. Fouille. On va retourner voir les deux sœurs. Ok. Comme ça, final. Bah voilà. Je vais mettre dans une position où. Où Tempête il peut se poser comme une. Voilà. Non, non, t'aurais pu te poser plus près. T'es sérieux, je mets là-haut. Ah, ouais, t'as vu, il a préféré être à côté de moi quand même. Ouais, par contre, on voit rien là. En même temps, il pleut et en plus, ça doit être pollué. Je fais gaffe, j'ai plus trop de vie. Le truc de soin. Non, mais après. Non, en dessous, c'est ton alimentation en bas. Hein. Oui, non, mais la mienne. Ouais, non, mais en bas. En fait t'as deux jauges, la jauge au-dessus c'est ta vie, en dessous c'est ta bouffe. Ah j'ai 16. Merde je crois que je suis repéré par les avions. Ouais moi je viens de... Non c'est bon.
Ça va, je crois que mon écran ne vole plus de queue donc. Ça devrait aller. Ça c'est trop mieux là. Oh, ça met un petit peu de suspense pour savoir si je vais me faire tirer dessus, tu vois. Non, je pense que c'était une zone polluée parce que là tu vois il pleut et pourtant je vois un peu plus clair. Poser là. Attention l'atterrissage. Oh, tu peux voler plus vite ou ça t'emmerde? Dis-le hein. Putain, en plus ce truc il me propulse. Attention, mais ça me merde. C'est quoi là? Je sais pas, il y a eu de l'orage. Non, il y a eu quelque chose. Non, il y a eu un orage. C'est un orage qui a fait pan. Ah non, ça c'est encore pour la donation. Bah elles sont où les soeurs jumelles? Nous sommes sœurs jumelles. Hop là, attends. Tu veux faire un truc, du fun? Attends, ça rigole pas l'orage. T'as vu? Les Sarentu chevauchent avec nous. Tu n'as pas l'air bien, Sarentu. Qu'as-tu découvert? J'ai vu des animaux prisonniers qui souffrent dans leur camp. J'en ai libéré autant que j'ai pu. Ils tuent sans honneur. Ils laissent la viande pourrir. La nourriture d'Eiwa les rend malades. Elle les frappe jusque dans leur estomac. Ils ne prennent que ce qu'ils peuvent revendre sur leur monde. Ce ne sont que des trophées. Ils n'ont aucun respect pour la vie qui les entoure. Leur chef s'appelle Harding. Elle est réputée pour sa cruauté. Il rapporte ce qu'il vole dans son camp, près des colonnes de pierre. Alors nous la ferons payer. Il l'a porté, il est sorti de... Nous te rejoindrons dès que nous le pourrons. Ouvre l'œil et aiguise tes flèches, Sarentu. Ok, quête terminée. J'ai gagné une soupe. Ça, il nous paye en bouffe. C'est grave. Il nous paye en bouffe. Nouvelle quête, c'est pas bien. Oh, par contre, niveau 9, le pavillon. C'est chaud. Wai est une Zeswa, mais son père ne veut pas lui apprendre à chevaucher. Il t'écoutera peut-être. Ok. Te revoilà. Quête. Oh, après, t'as plein de gens qui te donnent des quêtes secondaires, mais bon. Je n'ai que le meilleur. Ah, il me vend. Il me donne plein de trucs, lui. Quoi ça? Écorce d'arbre. Oh, je m'en fous. Des gants, ah, mais c'est des gants de merde. Tu vois, ils te vendent des trucs de ouf. Ah, j'ai pas assez de faveur pour avoir celui-là, putain. Et mais moi, je peux pas te vendre des trucs. Non, je peux pas les vendre. Ouais, un vrai que les ventes soient favorables. T'es pas là, toi? Je sais que c'était idiot, mon amour. Ah, c'est vrai que c'était Sarentu. Idiot. Tu as sûrement vu les cerfs-volants de notre clan. Autrefois. Naku et moi fabriquions les plus beaux cerfs-volants. Notre amour est présent dans chaque fibre. Mais depuis que Naku est parti, je me refuse à en fabriquer d'autres. J'ai pris tous ceux que nous avions créés et je les ai jetés en contrebas. Comme si ça allait arranger les choses. Peut-être que ça t'a fait du bien sur le moment. De t'en débarrasser. C'était idiot. Une pulsion. Naku savait toujours calmer mes ardeurs. Jeter ses cerfs-volants n'a fait qu'insulter la mémoire de mon amour. Il y en a peut-être encore. Je n'ai que bloqué le sur le pont éventré ou le long de la mer des cours d'eau. J'espère qu'ils n'ont pas tous été emportés par le vent. Ok. C'est vrai que là dans le camp t'as pas mal de quêtes secondaires, j'ai l'impression. Utiliser. Ouais, il veut que tu fasses quoi là? Ah, c'est une cache, ouais. C'est pas grave, ça. Ils sont déjà en train de se parler. Regarde, ils sont en train de se pécho.
en train de se pécho la bouche. On peut rien vendre, c'est chelou. Ouais, je comprends pas trop le principe en fait, que tu puisses pas vendre en fait. Bizarre. Ah ouais, ah, par contre ça nous a donné plein de quêtes secondaires. Après on a, au pire on en a deux, t'en as une qui est juste à côté à 210 mètres. Vas-y, on fait une ou deux et après je vais arrêter là-dessus. Alors je sais pas par contre où elle est. Ah, c'est là-bas. Ah, oh, c'est juste à côté ça. Bah, de toute façon, les quêtes, faut mieux faire les quêtes secondaires parce que le truc c'est qu'on n'a pas de. La prochaine quête principale elle est niveau 9. Non, mais ça c'est tard ça. Après, je peux peut-être partir sur ça. Ça c'est quoi? Double la quantité d'ingrédients en chassant. Ah, puis. Avec les arcs. Ah, vas-y, je vais prendre ça. Ça améliore mon arc. Devenir ma vie. Voilà. J'ai eu un trophée. Ah, t'as vu, je l'ai dit un peu violemment quand même. Ouais, j'ai. T'as senti l'âme d'un avis, tu vois, dans l'âme là. Elle est juste là, la mission. Tu sais que t'as pas besoin de prendre ton écran, on est la mission est juste là. C'est quoi la mission? Attends, elle est là sans être là, attends, je sais plus, elle est où? C'est lui là? C'est quoi la mission? La crainte d'un père. Il va me cracher dessus. Ah putain, non, il est juste là. Putain, mais c'est pas possible, il peut être en avant ce con là. Mais non, c'est eux. Tu rêvas encore, ma fille? Il y a du pain sur la planche. C'est bizarre, j'ai fait un don de ta admiration et ils sont qu'est-ce encore que là. Tu attends? Ton grand-père a besoin de toi pour la traite. Je. En fait. Je pensais aux Equidius et. S'il te plaît, nous avons affaire. Ce n'est pas le moment de rêvasser. J'adore les Equidius, père. En tant que Zessois, je devrais apprendre à monter. Nous en reparlerons plus tard. Kin t'attend. Ok, et je crois qu'il faut que tu parles à lui. Désolé, mais je t'ai entendu parler à Wohai. Elle semble malheureuse. Elle a dit quelque chose sur les Equidius, non? Oh ça, elle ne le pense pas vraiment. Je croyais que tous les Essois apprenaient à chevaucher. Alors pourquoi pas ta fille? Écoute, quand sa mère, quand elle est morte, c'est un Equidius qui nous l'a ramenée. Et Wohai ressemble tellement à sa mère. Désolé, je ne savais pas. Je ne suis pas idiot. Je sais qu'elle doit apprendre, mais pas encore. C'est. Est-ce que tu me vois derrière faire le con? C'est trop tôt. Et si cinématique là. Ce n'est pas à toi de me dire comment. Non, c'est pour voir si le jeu est vraiment bien fait ou pas. Mais non, il est pas bien fait. Ah, le jeu est bien fait parce que j'ai un filtre anti-débile à l'arrière, tu sais. Un filtre anti-débile, tu vois. Non, c'était pour voir, mais alors, tu vois, c'est des trucs enregistrés. Ah, parce que là, il bouge plus, ouais. Attends, je comprends pas. Il faut y résoudre les différents. Parler à Hawaii. Bah, elle est où, Hawaii? You. Ah là, quand je m'approche de lui, il n'y a plus rien. Ouais, pareil. Bon, vas-y, c'est quoi, on va faire l'autre mission du coup. Peut-être qu'elle va se remettre à normal. Par contre, l'autre, elle est à 7 km. Bon, vas-y, on va à 7 km, c'est pas grave. Tempête! Oh putain, mais à chaque fois, il me rentre dedans. Wesh, il est parti où? Où est-ce qu'il est parti cet abruti là? C'est vrai qu'au lieu de s'arrêter juste devant, tu sais, il se barre à l'autre bout de la planète. Regarde, c'est là-bas. Oh, t'es sérieux? Après, ce qui est dommage, tu vois, dans le jeu, c'est que t'as beaucoup trop de. J'ai l'impression que c'est trop exploration, tu vois. Pardon. Ouais. C'est beaucoup moins action. Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, j'ai eu un point bleu là. Et le problème, c'est que quand t'es en action, le problème, c'est que tu tombes toujours avec des mecs en méca, tu vois. Un peu ressent pour eux. Ici, t'as quelque chose. Je suis déjà trop loin. On va partir. Un point de compétence. Oh, j'ai un truc là, je sais pas ce que c'est, gros. Ah, c'est pas le totem de tout à l'heure?
J'ai trouvé une éolienne. Ah, faut que je la corde. Donc on le fait, gros. Vous avez vu comment j'accorde bien? C'est bon? Mais je suis quoi maintenant? C'est tout? Bah ouais, je crois. C'est déjà bien, hein. Je pense que... Oula, okay. Y a un effet de flou là avec le vent. Ça fait chelou. C'est dégueulasse, mais ça fait chelou aussi. Tu vois l'effet de flou ou pas? Ouais. C'est dégueulasse, on est d'accord. Mmh. Okay. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté du vent. Parce que quand tu passes avec ton écran, ça te ralentit de ouf. Si t'es à oui, non, mais je sais pas pourquoi ils l'ont rajouté là et pas dans l'autre. T'as mis fin, toi? L'histoire des cerfs-volants, je comprends pas. C'est un truc pour te guider ou je sais pas. Par rapport au clan ou à qui on est, quoi. En espérant que cette mission n'est pas buggée parce que j'ai pas envie de faire 7 km par rien. C'est vrai que là je lui demande d'aller à fond, j'ai pas l'impression qu'il avance ce con. Mm. Je sais pas s'il y a une compétence avec lui pour qu'il aille plus vite. Ça, je vais te faire manger. Pareil. C'est bien. Ça c'est un bon chasseur ça. Mange un autre, mange un autre. Allez, mange. Mange. Je vais te faire manger mon pote. Ça passe ou pas en dessous? Oh, ah, il en a chopé un en plus. Par contre, la mission. Elle est... Ok. Après, je suis chez les trucs. Oh putain, par contre, t'as une de ces fumées, gros. Je sais pas si on peut le faire la mission là. Sinon, pour monter en compétence, faut qu'on aille chasser et à récupérer les ingrédients qu'il nous faut pour. Faire des accessoires ou faire de la construction, tu vois. Ouais. C'est ça aussi qui nous permet de monter en compétences. Après, je sais pas si on a les bons niveaux pour le faire, ça. Hein. Pas de dire. Vu la taille du truc, j'ai l'impression qu'on aura jamais la. Tu vas voir quoi, méchant, que je vais me faire défoncer par. C'est quoi cette zone de ouf là? Je sais pas, c'est pour ça. Oh, je me prends un anti-aérien dans les fesses! About the mission! About the mission! Ah, oh, je suis en train de me faire défoncer, gros! Ah, moi aussi, je vais me faire défoncer. Ah, bah c'est bon, attends, c'est anti-jeu, je suis à l'au bout de la map, gros, arrête! Putain, il se prend des missiles dans les fesses, mon pote, le bonhomme. Ouais, non, je crois que c'est la zone de terre qui nous disait qu'on avait pas le niveau, je crois. C'est pas la zone niveau 20? Si. Bah du coup on va pas y aller. Ah non, la mission elle est de l'autre côté, elle est plus loin. Ouais, non mais c'était pas notre mission mais Gros je suis loin, hein, il me tire encore dessus. Pareil. Un truc de ouf. Mais c'est bien parce que j'ai l'impression que l'écran il a pas de vie en fait. Enfin pas de vie visible en fait. Bizarre. Ok, je suis arrivé. Hop là. Merde, je suis parti où là? Je vois plus le point. Ah mais je suis retourné là. Il est 23h. On m'a dit comment tu es arrivé ici. Avec une telle rage au ventre. Pas grave, demain tu te lèves à 4h. Bah c'est relou, je crois que tu arrives à dormir. À en croire les autres. Tu étais prête à combattre seul ceux qui viennent du ciel. En tout cas, je suis contente que tu ailles. De toute façon, après je vais arrêter là-dessus aussi. Oh, j'ai remarqué que toute leur pollution avait diminué. Bah, tu dis ça, mais arrête là, je te dis. Tu es Taouk? Vefilou est venu ici pour t'aider. Comment? Enfonçant tête baissée dans l'air mortel des humains? Comme si nous n'avions pas déjà assez de soucis. Je voulais savoir ce qui t'avait fait venir ici. Ce lieu m'apporte équilibre, paix et tranquillité. Loin de notre peuple. Je sais que mes paroles sont parfois dures. Bah, j'ai pas vu non plus, hein. J'ai eu à un moment 22h. Allez, 22h. 23h, j'ai pas vu.
c'est ta compréhension. Peu importe ce que tu attends de moi, mère. T'es grande, hein, aussi. Combien de chances Cadnat te donnera-t-il encore avant que tu ne sois jugé intolérable et à nouveau banni de l'arbre maison. Avant que tu ne sois exclu de nos vies. T'es pas encore en vacances. Taheu et moi, nous avons besoin de toi. Ne t'inflige pas ça. Je t'en prie. Pas encore. Cet endroit était autrefois pollué. Non ? Désormais, il est splendide. Bien des choses peuvent s'arranger. Alors, restons ici encore un peu. Essayons de trouver cet équilibre ensemble. D'accord. Hein ? Essayons. Oui, je vais finir cette mission-là. Mais pourquoi ? Tu regardes ton téléphone, t'étais bien. Eh, hey, t'as hâte de me frapper. Sinon, j'ai appelé la police. Il y a un témoin. Okay. Mais comment fonctionne alors moi je suis pas témoin. T'es pas témoin. Non, je suis pas témoin. Tu te fais violenter, tu te fais violenter. Chacun ses problèmes. Ouais. Attends, je me fais une mémorisation. Désolé. Tu me vois si? Oh c'est marrant. Oui, je le vois. Oh putain, oh le QT de merde. Ah non, faut que je suive le truc, je crois. Attends. Pardon. Bah, je crois. Hein. T'as déjà fait une mémorisation? Est-ce que c'est proche non, de la vieille fait. Grotte? Eh bah, tu vas voir, c'est ça marrant. Fait des points. Tu m'as appris à pêcher. Je fais un rond avec le joystick. D'accord. Et voilà. C'est ça la mission? Il faut que tu fasses pas. Non, je crois que ça a rien à voir. Attends. Non, ça, je trouve que c'est un truc secondaire, pareil, mais je sais pas ce que ça donne, on va voir. Allez. Oh, merci, chérie. Allez, allez, allez sors le son. Tu parles comme ça à ta femme? Oui, je suis non, bah oui. Non, je vais l'appeler le chien, mais t'as raison. Je comprends pourquoi tu te fais maltraiter. Putain, il refait froid, là. On abuse aussi. Par contre, ça va durer combien de temps, ça? Bah, je sais pas, je vois pas ta mission. Moi, je l'ai pas, moi. Ah, c'est non, mais c'est un truc comme l'arbre, je pense, mais c'est Ça m'a donné un point de compétence, mais j'ai rien fait. Parce que c'est chiant à faire, en fait. 30 secondes c'est marrant, mais là une heure c'est chiant. Je sais pas si je dois faire un perfect. Allez, c'est bon. J'ai déjà fini. Bon. Oh putain. J'avais connu des trucs drôles, mais alors ça c'est loin d'en faire partie, je vous dis. Plus c'est l'autre, il est en train de déménager pendant ce temps-là, là. Donc on est dans un truc calme. Charme le volume de la porte. Hop. Eh, c'est bon, fini. Oh, sa mère. Par contre, celui-là, il est un peu plus complexe, par coup. Bah, il y en a combien? Trop. Trop, mais c'est complexe. T'en as un qui va plus que l'autre, en fait. Tu comprendras quand tu le feras en solo. Ça je pense que ça va peut-être te valider. Je vais pas le refaire. Non mais gros, Attends, faut en faire combien là? Abuse un peu, non? Bon, c'est plus simple de le faire les deux d'un coup que... Bon, c'est pareil, mais... Bon, faut pas que je dépasse une fois. Bon, ça me paraît bizarre quand même. Mais c'est long. C'est un truc que j'aime pas, c'est les trucs qui sont trop longs comme ça. Dis-moi que c'est fini. J'ai cru qu'il allait faire un WAD. Oh, c'est bon. Cette beauté. Bah non, je le refais pas en fait. Ah, ça m'a donné un point de compétence. Merveille incroyable. Et ça m'a donné une faveur de clan. J'ai combien de points de compétence là? Deux. Les protéger. Vas-y, fais voir, je sais quoi. Les Sarentu voulaient que tout. Beaucoup d'endurance avec des crânes de manœuvre. Ouais. Ce lieu, il est si accueillant. Oh, on monte l'énergie obtenue. Alors. Ouais, vas-y. Il donne envie de s'asseoir. Ah, sans. Pour admirer la vue. Ok. Pour. Et du coup, on a mission en fait. Chaque ligne, chaque courbe dans sa mémoire. Comme si ce paysage renfermait une histoire inédite. Ouais, attends.
Est-ce ainsi que les Sarentu trouvent leur histoire? Il doit y avoir d'autres lieux similaires. Et d'autres histoires. Bah, je crois que c'était tout en fait, hein. Ah, toi aussi tu le fais là? Allô? Allô? Oui, oui, ah. Je suis en train de le faire. Ah bah tu vois, ça prend deux heures. J'ai mieux du joystick droit que du joystick gauche. Ah, c'est marqué dessus LR. Hein. Oui, non mais j'y arrive mieux du droit que du gauche. Ah, bah non, parce que je crois que quand il demande le gauche, c'est plus rapide que celui de droite. Bon les petits potes, vu que nous on a fini l'émission, on va se laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'essaierai de monter de niveau pour qu'on puisse faire d'autres missions, donc récupérer des trucs sur la map pour avoir plus de points de compétences et là, c'est tous les petits points bleus que là, ceux qu'il y a sur la map à récupérer. Ça je pourrais pas vous dire. Il y a les trucs violets aussi, ça c'est les points de compétences. Ça je vais peut-être les récupérer en off. C'est un peu chiant à aller chercher. Et du coup après, bah, essayer d'être niveau 10 ou 11 pour être bien, pour être de bon niveau, parce que sinon je pense qu'on va se faire arracher sinon. Au niveau 9, on a même débloqué des missions niveau 20. Okay. Et puis voilà. De chance que ça ralentit. J'espère que ça vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine pour la suite de notre aventure. Allez. Putain, on a combien là?